Bon. Je suis supposé enregistrer quelque chose. Je suis supposé m'exprimer. Exprimer dans le temps. Dans le temps, c'est parler, c'est chanter, c'est la musique. Et moi, je suis un loup. Un loup. Je m'exprime dans l'espace avec l'arrière-pensée que le temps passe. Le temps passe. Le passé. J'ai rien à foutre du passé. C'est au moment où le temps lui-même passe qui m'importe. Je peins l'espace. Passe. Espace. Le temps qui espace. Ex. En fait, ex. Hors de l'espace. Comment pourrais-je exprimer cet espace? Être à la fois peintre et écrivain. C'est l'enfer. C'est l'impossible. Tout mettre dans une toile. Qu'elle est quelques millimètres par quelques millimètres ou quelques mètres par quelques mètres. Ou même des centaines de mètres par des centaines de mètres. Qu'est-ce que je peux dire là? Commencez à me raconter. Ah, me raconter. J'ai des scènes. Des scènes, vous savez, des scènes comme dans les films. J'ai des scènes, des douzaines, peut-être des centaines de scènes que je peux faire surgir à tout moment si je me concentre, mais qui ne sont aucunement reliées l'une, les unes entre elles, même pas par leur chronologie. Cette scène, par exemple, oserais-je décrire ces scènes? Cette scène, par exemple, les lèvres, le rocher percé, la cachette, la honte, la désillusion. La colère, peut-être, la rage, peut-être, oui, d'avoir été, comme on dit, d'avoir été fourré, mais pas exactement ça. Une autre scène, celle-là, je ne vais pas la décrire. La chambre noire, pas celle des photographes, la véritable chambre noire, celle qui vous photographie dans l'instant, une fois pour toutes.
le prélat. Un prélat par-dessus probablement 4 ou 5 autres lits. La lumière, aucune lumière. La clé dans la porte. Elle entre avec son amant. Il est grand, sans aucun muscle, sans aucune chair, blafard. Je ne vais pas. C'est une scène. Faut pas décrire cette scène. Une autre scène. La tente rabattue à cause des vents. Celle-là non plus. Une autre scène. La course est perdue. La folie. Où est-il? Où est l'enfant? Il est parti. Il est disparu depuis 2 minutes. À quelque part, la mer qui s'engouffre dans le petit port. Où est l'enfant? Est-il tombé à l'eau? Où est-il? Puis, loin, loin, là-bas, sur le pont de la route, un petit point, une camionnette déglinguée, une vieille camionnette s'arrête. Un enfant, à côté, je cours, éperdu, j'arrête la camionnette, il est là, il avait fui en l'espace de quelques secondes à travers le champ vers la grande route, un couple ayant vu sur la route, s'était arrêté, avait fait monter une épanouie dans le port intérieur de ce village. Un village? C'est même pas un village. Simplement un port intérieur, où les marées, les vagues ne peuvent pas briser les bateaux. Tous ces bateaux qui fuient percés lorsque la tempête s'annonce et viennent s'y réfugier. Une scène. Une autre scène. Une autre scène. Un balcon. La nuit. Les étoiles. La lune. Un bébé dans mes bras que je berce sur une vieille chaise berceuse. Alors, que je lui chante, que je m'efforce de lui chanter une chanson. La chanson n'a que 2 notes. Elle traîne dans mon cerveau depuis plus de
40 ans, peut-être. Deux notes. La, 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 la même scène. Elle dort, Annika dans mes bras, toute petite sur le balcon. Je la berce, je regarde la lune. Il semble bouger, mais ce sont les nuages. Les deux notes, je les chante. La, la, comme une vague. Comme une vague qui vient sur le balcon. Je t'apprends à chanter quelque chose à Annika. Je suis en train de chanter quelque chose. Annika, bébé Annika. La, la, loin, loin, dans la montagne, loin, loin, non. Les paroles sont autres. Les paroles m'apparaissent. Le loup, loin, loin, le loup, loin, loin, dans la forêt, loin, loin. Je cherche mes mots. Mais les deux notes sont les mêmes toujours, toujours. Comme les vagues. Loin, loin. Loin, loin. Dans la forêt, le loup, loup. Loin, loin. Oh, j'y arrive pas. Il me semblait que j'y arrivais mieux dans ce temps. Dans ce temps-là. Mais ça ne fait plus 20 ans. Ça fait 50 ans que ces deux notes. 50 ans. Plus que 50 ans. Je me souviens d'avoir dit, lorsque j'étais au Beaux-Arts, à une femme, une copine, une sœur, quelque chose à propos de ces deux notes. Ses yeux étincelèrent. Et elle me dit, il faut garder ça, il faut cultiver quelque chose là, il faut garder ça, ça en vaut la peine. Je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Mais lorsque mon bébé Annika, dans mes bras sur le balcon, je l'ai bercé. Le loup, loin, loin, là-bas, dans la forêt. La chanson, c'est
La chanson s'est animée. Elle a commencé.